Allô à toi, savais-tu que le tout premier film français sur l'univers des drag queens est une comédie romantique? Elle est réalisée par Florent Gouëlou. Dans 3 nuits par semaine, Baptiste, hétéro, découvre les drag queens et tombe amoureux de l'une d'entre elles. Mais ne cherchez pas de sexe ou les clichés, le réalisateur s'en tient loin, très loin, et évite la sexualisation des personnages de drag pour aborder une histoire romantique avec un ancrage social. Plus de détails sur polyester.com. L'inventeur officiel de l'eau bouillante et le professeur Simon ont beaucoup d'humour. Sculptures de têtes coiffées de steaks hachés, histoires absurdes, montages photos et caricatures rigolotes peuplent l'exposition épistolier présentée dans la petite galerie de l'œil de poisson et ce jusqu'au 4 décembre. L'entrée est gratuite. Snoot, c'est un détecteur anti-gaspillage. Comme un pistolet, pointez-le sur une banane noircie par exemple, et aussitôt un premier détecteur capte les gaz et les arômes émis par la nourriture, et puis une imprimante en forme de bouche imprime une notice papier vous indiquant comment le cuisiner ou le conserver. Les recettes sont conçues par un chef zéro déchet. On estime que les pertes et le gaspillage d'aliments se situent entre 7 et 9 livres par ménage et par semaine au Québec. Ce ne pourrait peut-être changer la donne, c'est à découvrir dans Paris Match.